Bueno, como se ha repetido en varias ocasiones a lo largo de la sesión de introducción, estamos reunidos aquí precisamente porque mañana se va a celebrar la tercera conferencia ministerial de los ministros del agua del 5+5. Y hay que recordar que fue precisamente aquí en Valencia, hace ahora casi 8 años, prácticamente 8 años, en febrero de 2014, donde nació este proceso, bajo la iniciativa de España y Argelia. Se celebró aquí en Valencia, muy cerquita de aquí, la primera reunión de lanzamiento de este proceso, del cual vamos a tener la ocasión a lo largo de hoy de conocer qué otras etapas ha ido cubriendo. Bueno, la declaración que está prevista para la conferencia ministerial de mañana se organiza en torno a los aspectos que ustedes tienen en la pantalla. Y creo que son esos los que tienen que conducir nuestras reflexiones y nuestros debates de hoy, para que, como muy bien dijo Senén Florensa al inicio de la sesión, este foro de reflexión sirva para alimentar a estos procesos políticos. ¿Qué cuestiones se van a tener en cuenta en la conferencia ministerial de mañana? Pues, por supuesto, el de la necesidad de la cooperación regional para afrontar los desafíos de la adaptación al cambio climático en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy importante este asunto de la cooperación, porque, como nos ha recordado hace un momento el secretario autonómico, pues estamos sufriendo un conflicto terrible en el este de Europa en estos momentos, y hoy más que nunca son de agradecer estos procesos de cooperación regional que nos ayuden a enfocar estas tensiones y estos asuntos de otra manera. Se va a poner de relieve la importancia de la gestión integrada de los recursos hídricos, como no podría ser de otro modo, pero sobre todo se va a potenciar y se va a dar un nuevo impulso al plan de acción del 5+5 agua en su dimensión del programa de formación y transferencia del conocimiento, lo cual creemos que es una buena noticia para todos nosotros. No sé. Bueno, antes de pasar a revisar cuáles pueden ser las consecuencias del cambio climático, conviene que tengamos claro cuál es la situación de partida. Teodoro Estrela nos acaba de dar algunas pinceladas de la situación en el Mediterráneo y de la situación de un país en particular, de España, con respecto a esta situación. En la figura tienen un resumen de cuál es la situación actual de los países del Mediterráneo, entre los cuales se encuentran los del 5+5. Si hacemos referencia a este indicador que ha utilizado Teodoro, al de la disponibilidad de los recursos hídricos, en tanto que relación entre los recursos disponibles y los recursos que se usan, pues vemos que hay una gran disparidad de situaciones que se mueven entre, digamos, unas situaciones más confortables al norte, en donde podríamos encontrar países como Turquía, Chipre, Italia, Líbano, España, Marruecos, Francia, con índices entre 0,2 y 0,4, pero precisamente por lo que acabamos de escuchar en el caso de España, esa media entre 0,2 y 0,4 esconde situaciones mucho más deficitarias en la parte este de España, con índices que se acercan a valores por encima de 0,70 y que nos acercarían ya a situaciones calificadas de severa, como es el caso de los territorios palestinos, Argelia y Túnez. Y ya en la situación totalmente extrema nos encontramos a países como Siria, Malta, Israel, Egipto y Libia con índices de explotación por encima de 1. Es decir, que como media anualmente utilizan más recursos de los que tienen disponibles. En la figura de abajo a la izquierda tienen un poco este panorama, pero por referencia a la población existente en cada país, donde vemos que, por ejemplo, países como Argelia todavía agravan esa situación.
Y particularmente importante es la distribución de esta demanda de agua por sectores. Lo que vemos en la figura de abajo a la derecha. Es claro y patente que en la mayoría del Mediterráneo, sobre todo en su vertiente sur, este y oeste, es la agricultura la que representa la mayor proporción del uso de los recursos hídricos, con porcentajes que se mueven entre el 70 y el 80% de los recursos disponibles. A ver si consigo pasar. Bueno, en el Mediterráneo tenemos una larga experiencia de afrontar esta situación de escasez crónica y como un ejemplo he traído aquí una de las herramientas con las cuales nos hemos enfrentado a esta escasez, como ha sido la implantación de embalses, de reservorios de agua que nos permitan atender las demandas en periodos donde no hay disponibilidad de ella. Y aquí tienen indicadores como el número de embalses en cada país, entre los que España pues, es uno de los que cuenta con mayor número de embalses. En España se tiene una capacidad de embalse similar a la aportación media anual, lo cual da una idea de la importancia relativa, pero actualmente es otro país en situación similar a España de explotación de recursos, como es Turquía, la que está afrontando una política más intensa de construcción de nuevos embalses. Esto va un poco regular. Ya ha cambiado, sí, gracias. Bueno, para hablar sobre cuál es el futuro que nos espera, me voy a referir a este documento, a este estudio, al que ya ha hecho referencia anteriormente Teodoro Estrella, y que ha sido un documento, un informe realizado a nivel regional, que salió en septiembre del 2020, realizado por el llamado Grupo de Expertos en Variación Climática y Medioambiental en el Mediterráneo, que ha contado con la participación de más de 600 científicos procedentes de más de 35 países del Mediterráneo. Por cierto, participación en la que destacan los científicos provenientes de Francia, de España y de Marruecos, por ejemplo, que han sido los que han aportado mayores participantes en este trabajo. La importancia de este trabajo es que es el primero que se hace a nivel regional para intentar evaluar cuáles van a ser las consecuencias de este cambio climático a diferentes escalas. Señala que entre los elementos que deciden estos cambios, el cambio climático se convierte en uno de los principales, pero no el único, y que hay que atender otras cuestiones como es la contaminación, la política de los usos del suelo y, sobre todo, el combate contra las especies invasoras en nuestros ecosistemas. Y a nivel de recursos, como ven a la derecha, pues el agua es identificado como uno de los tres principales que se van a ver afectados por las consecuencias de este previsible cambio climático. Y nos da algunas cifras interesantes, algunas de las cuales ya han sido referidas con anterioridad. Para empezar, la diversidad de existencia de recursos hídricos en el Mediterráneo. Del 72 al 74% de los recursos se localizan en el flanco norte del Mediterráneo, lo cual nos da una idea de la situación crítica que afrontan el resto de zonas, este, oeste y sur, que vamos a tener... Esperamos tener 180 millones de habitantes en una situación de escasez, es decir, con una disposición menor de 1.000 metros cúbicos por habitante y año, pero sobre todo que tendremos 80 millones de habitantes con una situación totalmente extrema, por debajo de 500 metros cúbicos por habitante y año. Se destaca también el uso de las aguas subterráneas en muchos países,
para afrontar la atención de las demandas, como es el caso de Libia, Malta, Palestina o Israel. Pero también señala la existencia de numerosos problemas derivados de la sobreexplotación de estos acuíferos, por la cual se utilizan anualmente recursos por encima de lo que es la recarga natural, lo cual eso, a corto y a medio plazo, va a significar una situación realmente difícil. También nos señala el problema de la gestión transfronteriza, puesto que el 18% del total de los recursos renovables en estos países se produce fuera de sus propios territorios. Y esto alcanza hasta el 27% en los países del flanco este del Mediterráneo. La escasez y esta situación de compartición de recursos entre diferentes países es evidente que proporcionan escenarios donde suelen facilitar determinados conflictos. Y precisamente son acciones e iniciativas como la que nos reúnen hoy aquí las que pretenden afrontar estos conflictos de manera lo más pacíficamente posible. Y nos señala también cómo está siendo el incremento de la superficie irrigada a nivel del Mediterráneo, con un incremento realmente notable en los últimos años, que alcanza hasta el 21%. Bueno, nos lo ha comentado Teodoro, es previsible que todo esto conduzca a una disminución muy importante de los recursos disponibles en nuestros países del Mediterráneo y, en consecuencia, se hace necesario contar con la previsión de planes de adaptación a esta nueva situación. Y esto nos reúne aquí y me imagino que serán los temas a los que se pasarán revista en las tres sesiones temáticas previstas. También en cuanto al aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, tanto de inundaciones como sequías, que parece que se viene observando en los últimos años en nuestra región. Bueno, todo ello lo hemos tenido en cuenta en este proceso, en esta iniciativa del 5+5 agua, ya desde un inicio en 2015, cuando se aprobó en marzo, en Argel, la primera estrategia del agua para el Mediterráneo Occidental, que se organizó en torno a tres bloques con 13 prioridades. En el segundo bloque encontramos bien destacado el tema de la transferencia de conocimiento y programa de formación, que es uno de los aspectos, como he dicho al principio, al que va a estar fundamentalmente dirigida la conferencia ministerial de mañana. Pero, por otro lado, en el bloque 3 de promoción de la mejora de la gestión de los recursos hídricos, ya hacíamos referencia a la necesidad de formular planes de adaptación al cambio climático. Hago de nuevo una referencia al aspecto de la cooperación regional que es clave en los planteamientos de la estrategia del agua en el Mediterráneo Occidental. Bueno, en el plan de acción, estas dos cuestiones están bien marcadas en las acciones del capítulo de servicios que contiene el propio plan de acción y que fue aprobado en la segunda conferencia ministerial del 5+5 agua celebrada en Marrakech el 16 de diciembre del 2016. Bueno, no me quiero extender más. Creo que durante las sesiones que vienen a continuación vamos a tener ocasión de repasar los aspectos principales de estas políticas de adaptación al cambio climático, tanto en cuanto a sus cuestiones técnicas y metodológicas como sus cuestiones de financiación y de investigación. Pretendiendo con todo ello que seamos capaces de actuar en la fase de planificación que permita después afrontar la gestión más adecuada. Y sin más, termino aquí. Nos tienen disponible en nuestro secretariado de la Red Mediterránea de Organismos de Cuenca, en cuya página web, cuya dirección tienen ahí, procuramos mantener al día toda información relativa al proceso 5+5 agua. Gracias.
Muchísimas gracias, Ramiro, y por tanto damos paso a la siguiente sesión, cuyo moderador es Marc García Manzana, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar de España y secretario general del Instituto Mediterráneo del Agua. Tienes, por tanto, la palabra y la sesión a tu cargo. Muchas gracias. Salam alaikum, labas. Good morning, everybody. Bonjour, mesdames, messieurs. Buenos días a todos. Voy a hablar en francés porque los asistentes de la mesa son prácticamente todos francófonos. Alors, je vais parler en français parce que vous êtes la plupart francophones dans cette session. La session numéro 1, on doit la commencer avec une affirmation. Le changement climatique est une réalité. Les impacts se montrent dans toutes les régions de la planète et spécialement à la Méditerranée. Cela se traduit en des perturbations dangereuses et généralisées dans la nature et cela affecte la vie de milliards de personnes. Comme vient de nous dire le directeur général Théodore Estrella et Ramiro Martinez, le dernier informe de l'IPCC lance un avertissement très sérieux sur les conséquences de l'inaction. Il lance trois grands messages. Il est urgent d'agir face aux risques croissants. Un avenir viable est seulement possible si on préserve et on consolide la nature. Et finalement, il y a une évolution détaillée des villes qui nous dit que c'est la génération de quelques impacts et quelques risques, mais elles sont indispensables à faire face à la solution et en face du changement climatique. Alors, dans cette session numéro 1, on veut répondre à quelques questions. Quels sont les défis sur le changement climatique et la gestion de l'eau? Comment intégrer des mesures d'adaptation face au changement climatique? Et quelles sont les réformes nécessaires en termes de cadre juridique et de gouvernance de l'eau pour mieux assurer la sécurité de l'eau? Pour faire une réponse à ces questions, on a quatre intervenants. La première des intervenants va nous raconter la situation du Maroc en matière de gestion des ressources en eau et adaptation au changement climatique. C'est Madame Sharafat Afalail. Elle a été ministre en charge de l'eau entre 2013 et 2018. Elle a fait partie de l'élaboration de la politique marocaine de l'eau de 2015 à 2030. Entre autres, plan de gestion de sécheresse, nouveau mode de gouvernance en eau souterraine, plan de réutilisation, et elle a mis le point sur l'eau est un des secteurs les plus touchés du changement climatique. Et pour cela, elle a fait l'organisation de la journée d'action de l'eau sur la COP 2022. La deuxième personne qui va participer en visioconférence, c'est Monsieur Adel Alker Dodo. Il va mettre un point de vue régional sur le thème de la session et un accent sur les approches et méthodologies d'adaptation du changement climatique et pour la gestion des ressources en eau dans les pays du Maghreb. Après, à ma droite, Monsieur Federico Estrada, il va dire les points clés et faire des commentaires sur les perspectives et les défis de la gestion durable de l'eau en Espagne pour s'adapter aux effets négatifs du changement climatique. Sa carrière professionnelle commence au Centre d'études hydrographiques du CEDEX, dont il est le directeur depuis 2011. Il est expert en planification hydrologique, en analyse de systèmes de ressources. Il est professeur d'hydraulique et d'hydrologie à l'Université Polytechnique de Madrid. Il est membre du Conseil national de l'eau, Conseil consultatif de fonds, coopération pour l'eau et l'assainissement et d'autres titres. En plus, il est docteur en génie civil par l'Université Polytechnique de Madrid et spécialiste en hydraulique et énergie. De plus, il est fonctionnaire du gouvernement espagnol depuis 1985. Et finalement, pour voir les actions et les progrès réalisés par la Mauritanie et pour assurer la sécurité de l'eau face au changement climatique, à ma gauche, Madame Sarah Suleiman Sheikh Zidia, qu'elle est directrice adjointe du Centre national de ressources en eau au Mauritanie depuis 2005.
Elle a occupé de nombreux postes exécutifs à la direction d'environnement et du développement rural au ministère du développement rural et l'environnement de la Mauritanie. En plus, elle est professeure de sciences naturelles au ministère de, a été professeure de sciences naturelles au ministère de l'Éducation, responsable de normes et de réglementations dans la direction hydraulique. Elle est titulaire d'un master de sciences et technologies de spécialisation en gestion de l'eau et de l'Institut scientifique de Nouakchott et diplôme de l'École normale supérieure dans la même école avec la spécialisation de sciences naturelles. Alors, sans plus de délai, je vais vous demander d'être fort avec 10 minutes parce qu'on a un petit peu de décalage sur le temps. On devait commencer la session à 10h30 et on est 11h15. Alors, il faut faire face à ce délai. Mais Madame Sharafat, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez qui devraient être les priorités pour améliorer la résilience dans le secteur de l'eau face au changement climatique dans la Méditerranée occidentale en général, mais au Maroc en particulier? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de nous avoir impliqués dans cette session importante. Et nous sommes au lendemain du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Je voudrais rendre un vibrant hommage à la femme de la Méditerranée, également à la femme à travers le monde, particulièrement les femmes qui luttent et qui souffrent pour un accès équitable à la ressource, à l'eau et à la terre à travers le monde. Donc, le bassin de la Méditerranée, donc les experts sont unanimes comme quoi ce bassin est considéré comme un laboratoire des changements climatiques. Tous les ingrédients du changement climatique se manifestent particulièrement au sein de ce bassin, que ce soit à travers des sécheresses aiguës et successives, que ce soit également avec des inondations qui sont subites et parfois dévastatrices. Rien que le Maroc, nous vivons actuellement cette année une sécheresse historique qu'on n'a pas vue depuis 40 ans, avec un déficit qui est très important, donc au-delà de 80% en termes d'apport, ce qui a poussé l'État à décréter l'état de sécheresse à travers le royaume et avec la flambée des prix des produits de première nécessité et qui a également la guerre en Ukraine et la Russie qui a poussé les États vraiment à mettre un plan important pour faire face à tous ces aléas. Donc, les changements climatiques touchent en premier lieu le cycle de l'eau, ça c'est évident, et je le dis très souvent comme quoi le cycle de l'eau, c'est la principale victime des changements climatiques. Et l'eau touche la sécurité, la paix sociale, le développement et la stabilité de notre espace méditerranéen, ce qui nécessite vraiment un portage politique et prendre au sérieux de la part des décideurs comme quoi le changement climatique, ce n'est pas uniquement une affaire des scientifiques et des experts, mais plutôt une affaire qui interpelle en premier lieu les managers et les gestions de la chose publique, que ce soit à l'échelle nationale, mais également à l'échelle territoriale. Le plan de résilience, quand on parle de plan de résilience d'une manière générale comme une action primordiale pour faire face aux aléas climatiques, on pense essentiellement à une refonte institutionnelle, juridique et aussi des politiques publiques. Institutionnelle, il faut qu'il y ait quand même un portage politique des décideurs, de cette dimension. Ce n'est pas toujours le cas. Les décideurs ou les acteurs territoriaux ont tendance à gérer leur mandat de 5 ans pour être réélus une deuxième fois. Alors que le processus de changement climatique ou de résilience est un processus de longue haleine qui nécessite une planification à long terme, à moyen terme et aussi à court terme. Et il faut quand même qu'il y ait un portage politique de cette décision. Il ne faut pas qu'on partage ou qu'on échange entre nous, mais il faut aller vers les gens qui détiennent le pouvoir, vers les gens qui peuvent prendre la décision et vers les gens qui peuvent mobiliser et qui ont une autorité sur la gestion des politiques publiques. Et je saisis cette occasion pour la réunion de demain. Il faut quand même que les voix soulèvent pour pousser les décideurs. Je ne le dis pas parce que je le dis, c'est le même discours que je portais même en étant ministre à l'époque. Donc, il faut pousser les gouvernements, les décideurs, pour qu'il y ait une prise de conscience et une prise en charge
des défis des changements climatiques et non pas vraiment porter des discours, de très beaux discours, mais il faut agir. Autre chose, la résilience fait pousser aussi à une réforme législative, à une réforme réglementaire, à intégrer les institutions législatives pour qu'elles puissent intégrer cette dimension de l'élaboration des lois, l'élaboration des textes réglementaires et l'élaboration d'un cadre juridique qui pousse les décideurs à agir d'une manière beaucoup plus conséquente. Je suis ravie d'apprendre comme quoi en Espagne, une loi sur le changement climatique et la transition énergétique a été adoptée. Je sollicite également que les pays de la rive sud de la Méditerranée agissent de la même manière pour qu'il y ait quand même poussé et ici le cadre législatif et réglementaire pour que ce soit, c'est pas une chose anodine, mais plutôt une chose qui a une base juridique et législative. La résilience également nous oblige à repenser et à revisiter les politiques publiques, que ce soit la politique publique de l'eau, que ce soit la politique publique de l'agriculture, que ce soit la politique publique de la route, des routes, que ce soit la politique publique également de l'énergie. Et je pense qu'il faut avoir l'audace et le courage de dire la manière dont se développent les pays de la Méditerranée et n'est pas vraiment en harmonie avec ce qui se passe sur cet espace qui est considéré un hotspot. Je viens me développer, mais pas au détriment de la ressource, pas au détriment de la sécurité hydrique et pas au-delà de capacités hydrauliques et de la mobilisation de ressources non. Je vise principalement, à chaque fois, on m'accuse d'être de combattre les secteurs agricoles. Je ne suis pas contre le développement agricole, mais se développer sur le plan agricole de manière à tenir compte de la capacité hydraulique de notre zone. Il faut opter vers la valorisation de la ressource plutôt qu'en pour une politique de développement qui dépasse nos capacités. Je pense que maintenant au Maroc, avec la sécheresse historique que nous vivons, j'ai encore le temps. Vous m'arrêtez, avec la sécheresse que nous vivons, les voix maintenant se sont soulevées pour dire que le développement agricole, on a raté le coche, on est opté pour une politique d'extension, une politique de création de la valeur ajoutée au détriment de la valorisation de la ressource. Il faut avoir le courage de dire qu'on est maintenant, il faut rectifier le tir pour dire que le développement agricole, il faut aller vers la valorisation de l'eau, vers l'économie de l'eau, vers l'adoption de nouvelles cultures qui tiennent en considération la rareté de la ressource et la sécheresse que vit le Maroc. Et je pense qu'il n'y a pas de mal de rectifier la politique publique, que ce soit au niveau du sud de la Méditerranée, que ce soit également le sud de la Méditerranée, parce que c'est le même espace. Je ne peux pas dire aller vers des zones qui connaissent des sécheresses historiques pour encourager des cultures qui consomment beaucoup d'eau au détriment de la population qui reste assoiffée et qui manque d'eau pour la subsistance. La résilience également, c'est la convergence vers le secteur de l'énergie. Et on est au lendemain de la COP26, des voix qui se sont soulevées pour dire que le secteur de l'eau doit être un secteur sobre en carbone. Maintenant, on doit produire de l'eau avec zéro émission. Et cet objectif ou bien cette ambition doit aller en sorte pour converger le secteur énergétique avec le secteur de l'eau. Je crois que cette dimension n'est pas totalement portée par les décideurs politiques sur le plan institutionnel. On trouve le secteur de l'eau qui je parle de la rive sud principalement, le secteur de l'eau sur le plan institutionnel qui n'est pas tout à fait stable institutionnellement. Parfois, elle est rattachée à ce département, parfois, elle est diluée dans d'autres départements. Il est temps de concevoir que le plan de résilience ne peut pas aller au-delà de la conjugaison entre le secteur de l'eau et le secteur énergétique, et surtout aller vers un secteur qui est sobre en carbone, qui est avec des zéro émissions. Le bassin méditerranéen a encore du pain sur la planche pour pouvoir arriver à ce,
Accepter, je m'excuse. Le Maroc, vous avez parlé des mesures d'adaptation que je pense, le Maroc quand même a capitalisé une expertise, un savoir-faire important en matière de mesures d'adaptation. La politique des grands barrages, la législation de l'eau, la gouvernance, la planification à long terme, mais ce n'est pas tout à fait acquis. Il y a encore des dysfonctionnements qu'il faut corriger. Surtout, c'est que le secteur de l'eau, c'est un secteur qui est très fragmenté et qui rend la conciliance et la convergence des différents secteurs publics sur le plan pratique, je ne parle pas de théorique, le théorique, on est vraiment des bons élèves, mais sur le plan pratique, il y a encore des déficiences à corriger et rien que pour le nouveau modèle de développement qui a été demandé par Sa Majesté le Roi, projeter certains dysfonctionnements sur le plan de gouvernance de l'eau et le manque l'absence d'une instance de régulation et d'arbitrage. Et aussi, il faut corriger et repenser le développement au sein de notre espace et en l'occurrence au Maroc. Merci beaucoup. Merci, Madame Faïdal. Et on prend un message pour demain. Il faut pousser les décideurs pour prendre en charge le changement climatique et il faut être audace et courageux. Tout à fait. Le suivant panéliste, c'est Monsieur Dodo. Actuellement, il occupe le poste de coordinateur du département de l'eau de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Et je lui pose la suivante question. Quelle devrait être... les priorités pour améliorer la résilience du secteur de l'eau et changement climatique en Méditerranée, mais surtout, quelles sont les pratiques les plus efficaces de gestion intégrée de ressources en eau qui contribuent à renforcer l'adaptation du changement climatique au Maghreb? Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président Marc. Je m'en vais donc vous présenter notre expérience concernant donc l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Permettez-moi tout rapidement, je vais partager donc ma présentation et j'espère que tout le monde la voit. Alors, je suis maître de conférence à l'Université Abdoumouni du Niger, je proviens du Niger, et j'ai été aussi directeur national des ressources en eau et maintenant, ça fait une bonne quinzaine d'années que je suis à l'Observatoire du Sahara et du Sahel en tant que chef du département eau et pour tout ce qui est notamment les ressources en eau transfrontalières. Alors bon, vous avez le titre, vous l'avez très bien donc introduit, c'est surtout les approches et les méthodologies. Permettez-moi déjà d'introduire ce qu'est l'Observatoire du Sahara et du Sahel, une organisation internationale qui siège donc ici à Tunis. Comme vous avez vu, il y a 33 pays, dont 26 en Afrique, il y avait 6 pays d'Afrique du Nord. Nous espérons, Inch'Allah, que donc, l'Espagne aussi nous rejoindra. Vous avez des organisations donc, sous-régionales, des organisations partenaires des Nations Unies, notamment la FAO et l'UNCCD. Vous avez des ONG, nos missions, nos gouvernances. Donc, c'est vraiment un instrument qui est dédié à nos pays membres. Et en 2020, nous verrons juste d'adopter à l'Assemblée générale, la 6e session de l'Assemblée ordinaire générale donc, de notre institution, notre stratégie 2021-2020 qui intervient avec toutes les initiatives internationales, régionales et dans le domaine qui nous concerne, notamment l'eau. Vous avez 4 objectifs opérationnels, notamment en matière de connaissances, de développement, donc d'outils de planification, ainsi de suite. Alors, pour intégrer cette partie du Maghreb, permettez-moi déjà de l'intégrer dans sa globalité sur le continent africain. Vous voyez, c'est un continent qui est extrêmement doté de ressources en eau. Vous avez pour les eaux souterraines 660 000 milliards de mètres cubes, alors que pour les eaux de surface, vous avez 4 000 milliards de mètres cubes par an, parce que pour l'essentiel, ce sont des ressources renouvelables, oui, mais qui sont vulnérables et inégalement réparties, comme vous voyez à gauche donc votre écran. Vous voyez donc cette tache noire rouge qui caractérise donc notre désert, 10 millions de kilomètres carrés, et qui montre bien quand même l'Afrique du Nord, comme vous voyez en rouge, qui est la plus dotée en eau souterraine. Hein, tout ça, ces chiffres en milliards de mètres cubes, peu des eaux de surface. Mais en revanche, quand vous voyez ici, vous avez des grands bassins, notamment les grès de Nubie, le plus grand bassin aquifère du continent, suivi par le système aquifère du Sahara septentrional, et d'autres, le Mouzouk, un petit peu avec le Taouine, Tamizrouf, etc.
Donc, on voit bien, c'est une région de l'Afrique de l'Ouest qui est bien dotée en eau souterraine, mais peu renouvelable. Et ça veut dire qu'il y a, comment on dit, il faudrait prendre en précaution l'exploitation de ces ressources, malheureusement, qui est en croissance. Mais aussi, quand on regarde le côté donc, climatique, bon, je ne reviendrai pas à tout ce qui a été dit pour montrer donc, le côté strict, stress hydrique dans la région, mais aussi la pénurie pour certains pays. Et on voit bien que cette partie-là, vraiment, elle est moins dotée que si on voit d'autres régions qui sont vraiment dans le confort après, avec plus de 1700 mètres cubes par an et par habitant. Mais quand même, l'Afrique du Nord reste toujours le premier en matière donc, d'accès à l'eau potable, mais aussi les services donc, d'assainissement. Alors, mais l'autre aspect aussi, quand on parle non pas de potentialité, nous, on est obligé aussi de parler donc, de potentialité du point de vue d'irrigation. Et on voit bien que l'Afrique du Nord, effectivement, en termes de potentiel, il y a plus de 8 millions donc, d'hectares. Mais en comparant avec les autres régions, notamment l'Afrique de l'Ouest, le centre de l'Afrique de l'Est, on voit bien que plus de 94% donc, de ce potentiel il est exploité en termes d'irrigation. Et dans cette région, et c'est surtout les eaux souterraines, vous voyez, plus de 70%, comme quelqu'un l'a si bien dit, 70% donc de ces ressources-là sont prélevées pour répondre notamment aux besoins sur l'agriculture irriguée. Donc c'est ça, quand on regarde cette région nord-africaine, elle est exposée à ce stress, à la pénurie. On voit bien qu'il y a des prélèvements excessifs, avec des forages déclarés ou non déclarés, tout ça à des fins agricoles. On voit bien que cette agriculture, elle est dépendante donc, de cette ressource. Mais, comme le dit, il faut penser aux générations futures, donc à sécuriser donc, le côté alimentaire. Et pour cela, il faut bien qu'on ait des approches. Il faut bien qu'on ait des stratégies. La gestion intégrée des ressources, on en parle. La valorisation de l'eau, la gestion de la demande. Mais aussi, donc, penser à notre comportement, au lieu de toujours indexer la ressource disponible. Il faut aussi que nous ayons des méthodologies assez innovantes, partagées, de manière à ce qu'on ait des outils qui soient valables partout dans la région et comment on peut mieux fédérer et coopérer en matière donc de gestion rationnelle de ces ressources. Alors, quelles sont parmi les pratiques les plus efficaces, lesquelles on peut utiliser, lesquelles nous avons eu comme expérience, c'est toujours l'utilisation efficiente de cette eau en promouvant les techniques d'irrigation économe en eau. Quelque part, on a parlé donc de goutte à goutte, mais aussi si on veut gérer le réseau de drainage, il faut qu'on ait donc des réseaux enterrés, il faudrait recourir aux ressources à l'eau non conventionnelles, on parle donc de la réuse, mais aussi à toutes les eaux saumâtres. Hein? Donc, quand vous avez notamment sur le continent, dans cette région, vous avez, comme j'ai dit, des nappes qui sont peu renouvelables. Que faire? On ne peut pas faire déplacer la population. Donc, il faudrait déminéraliser aussi ce type d'eau pour que nous puissions répondre donc à la demande. Mais aussi, il faudrait qu'on ait une approche qui soit la même, c'est-à-dire comment estimer donc les prélèvements à usage agricole et comment suivre cette exploitation. Juste pour l'exemple, quand vous avez les semences qui font du Sahara septentrional, plus de 90% donc de cette ressource est prélevée pour l'irrigation et la recharge qui était donc de 1 milliard de mètres cubes par an. Et maintenant, l'exploitation est trois fois plus que la recherche. Donc, on va dans la surexploitation. Donc, gestion de la réserve de minière, gestion donc de la réserve. En matière de suivi, il nous faut des outils, notamment la télévision. Pourquoi recourir à la télévision? Parce que vous avez des données qui sont fiables, qui sont accessibles et surtout qui sont mises à jour. Donc, le gestionnaire, le décideur, qu'est-ce qu'il a besoin? Il veut savoir où sont ces parcelles qui sont liées. Quelle est la superficie qui doit irriguer, mais aussi quel est le volume d'eau utile pour pouvoir donc irriguer et répondre donc à la demande. Mais où se trouvent donc ces parcelles-là, qu'elles soient irriguées par des forages qui sont officiellement donc inventoriés ou bien les ouvrages non inventoriés. On sait bien que c'est un vrai défi s'il s'agit des ouvrages qui sont non inventoriés. Comment on peut, avec les modèles classiques, notamment les modèles tels que Modflow et autres, Nous travaillons qu'avec les ouvrages, mais ça, ce qui nous échappe, ce sont ces forages-là non déclarés. Donc, il faut faire recours à la télédétection qui nous montre effectivement comment faire le rapprochement entre ce que le modèle classique nous donne et ce que les estimations par la télédétection donnent pour qu'on voit vraiment la sélection de ces ressources-là. Quelles sont donc ces,
ces différents types de pressions qu'on va exercer sur ces ressources, la pure renouvelable, pour répondre donc à la demande. Donc ça, le recours aux imageries satellitaires est nécessaire, indispensable. Donc vous avez par exemple Sentinel-2 qui va vous donner donc des résolutions jusqu'à 10 mètres, c'est extrêmement intéressant. Voilà par exemple, ça c'est une plateforme qui a été développée qui vous permet vraiment de suivre en temps réel donc l'évolution de ces de l'exploitation donc et l'extension donc des aires irriguées, qu'elles soient donc avec des ouvrages licites ou illicites. Vous pouvez suivre donc l'évolution de votre activité agricole en tenant compte des aspects du changement climatique. Le second point qui est extrêmement important, c'est que qu'est-ce qu'il nous faut comme cadre dans cette région-là pour coopérer davantage au niveau transfrontalier. Comme j'ai dit, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, notamment dans le domaine de l'eau, nous travaillons sur les aquifères, sur les ressources qui sont transfrontalières. Donc, ça veut dire que nous sommes appelés à coopérer ensemble. Alors, nous mettons des cadres de gestion transfrontalière que nous appelons le mécanisme de concertation. Comment ? Ce n'est pas une question de vote, d'élection. Il faut que tous les pays concernés qui partagent la même ressource, il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent sur la manière de mieux gérer cette ressource peu renouvelable. Mais il ne faut pas seulement se limiter à l'agriculture. C'est vrai que dans cette région du Maghreb, l'essentiel, c'est pour l'agriculture. Mais on devrait aussi étendre sur les mines, l'élevage, les activités industrielles qui sont aussi consommatrices d'eau, sans compter donc l'eau potable, quoi. Et parmi ces exemples de cadres de gestion, vous avez aussi le cadre de gestion des grès de Libye, dont le siège il est basé donc à Tripoli. Donc ça, c'est de manière indispensable et ce sont des conditions in sine qua non pour que nous puissions donc mieux gérer ces ressources. Mais aussi, il faut améliorer cette gestion intégrée transfrontalière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se limiter sur les aquifères transfrontaliers, mais il faut aussi se rapprocher sur les organismes de bassin, parce qu'on veut une gestion conjonctive, haute de surface, ou souterraine, qui sont partout où c'est connecté, on doit s'asseoir ensemble et voir comment gérer de manière durable. Et enfin, quand je donne un exemple, vous avez donc le cas du système aquifère du Sahara septentrional, dont l'unité de coordination elle est basée d'arbre ici au sein de l'OSS, les trois pays, Algérie, Tunisie et Libye, nous contribuent annuellement à hauteur de 30 000 euros pour pouvoir donc gérer cette unité. Vous avez un conseil des ministres, vous avez un comité, vous avez donc les directeurs généraux qui se retrouvent chaque année. Donc, on peut mieux suivre donc la surexploitation parce que le coût de la surexploitation, il est élevé. On doit tenir compte du fait que du caractère peu renouvelable de ces ressources pour qu'on puisse mieux suivre ça. Donc, il y a des outils de gestion qui ont été développés. Vous avez une base de données régionale, vous avez un système d'information géographie qui nous permet d'établir des cartes, mais vous avez le modèle mathématique. Et ce modèle mathématique permet de simuler à chaque fois qu'un pays prévoit ou projette de réaliser des ouvrages pour prélever davantage, pour voir l'impact de ses ressources, de son prélèvement sur les autres. Parce qu'il y a une interférence entre les pays. Quand je prends maintenant en matière opérationnelle, quelles sont les recommandations qu'on pourrait émettre pour une gestion durable, notamment du système aquifère transfrontalier. S'il vous plaît, monsieur Dodo, il faut... C'est pas fini. Il n'y a que deux diapos. Donc, en matière, donc, notamment du système aquifère transfrontalier entre les trois pays, Algérie, Tunisie et Libye, parmi les bonnes pratiques, c'est que nous recommandons de mettre, et c'est ce qui est en train de se faire, donc de mettre en place un système de formation qui soit régional. Mais d'abord, il faut qu'il y ait des systèmes d'information nationaux pour qu'on ait des échanges et de partage de données qui soient cohérents pour le suivi des indicateurs et alimenter ces outils d'aide à la prise de décision. Comme les ressources sont partagées, il faut qu'on ait des schémas directeurs d'affectation de la ressource qui soient partagées. Mais aussi penser à des plans de transfert d'eau, pas seulement dans un pays, mais d'un pays à un autre, étant donné que c'est la ressource qui est partagée. Et enfin, en termes de recommandations politiques clés que nous pouvons donc proposer, c'est de faire prévaloir le principe de précaution à travers une gouvernance décentralisée, participative, concertée et territoriale de ces ressources. Il faut mettre en exergue la nécessité d'agir sur la demande plutôt que sur l'offre par les avancées institutionnelles et le changement du comportement des usagers. Donc, il ne faut pas toujours l'indexer, c'est à nous de revoir, de révisiter notre paradigme en matière de consommation. Et enfin, il faut mettre en place des stratégies pluriannuelles
incluant les stratégies agricoles pour faire face aux aléas du changement climatique en matière de gestion des ressources en eau, que ce soit superficielle ou souterraine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Dodo. On a mis l'accent sur l'importance de la surveillance, et avec surtout la télédétection, et actuer plutôt sur la demande et non pas tant sur l'offre. Maintenant, le troisième panéliste, c'est M. Federico Strada. Alors, je vous demande... quels sont les travaux qui est en train de faire maintenant le CEDEX en matière de changement climatique et l'importance dans la planification hydrologique de l'Espagne? Gracias, Marc. Y gracias a los organizadores, a IEMED y a la REMOP por la invitación a participar en este seminario. He preparado una presentación. Si la podemos ver, ahí está. Voy a centrar mi intervención, como decía Marc, en los trabajos que hemos venido haciendo estos últimos años en el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, orientados a evaluar el impacto del cambio climático en todo el sector del agua, porque constituyen en el fondo un instrumento que puede contribuir a mejorar la gestión del agua para la adaptación al cambio climático. Se trata de unos trabajos hechos en el marco de una colaboración institucional interesante entre varios organismos del Ministerio de Transición Ecológica de España, empezando por la Oficina Española de Cambio Climático, que es quien se ocupa de definir los criterios en base a los cuales se seleccionan los modelos de circulación general, que elaboran distintos organismos internacionales especializados en hacer este tipo de proyecciones, así como los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero. Con esos modelos seleccionados, la Agencia Estatal de Meteorología lo regionaliza para el caso de España, aumentando el nivel de detalle necesario para hacer los cálculos hidrológicos de los que se ocupa a continuación el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDES, traduciendo esas proyecciones al ciclo hidrológico para evaluar el impacto en todas las variables que componen el ciclo hidrológico. Y finalmente, la Dirección General del Agua, a través de las confederaciones hidrográficas, incorpora ese impacto en los planes hidrológicos, de manera que se puede completar todo el ciclo con la selección finalmente de las medidas de adaptación. Estos trabajos se vienen haciendo ya desde hace bastantes años, a lo largo de todo este siglo. Los primeros trabajos datan del año 2000, eran trabajos en que el impacto se evaluaba de una forma muy simplificada, con modelos anuales, pero permitieron incorporar ya unas primeras indicaciones en la instrucción de planificación que se aprobó en el año 2007, que es la norma con arreglo a la cual se procede a la elaboración, la aprobación, el seguimiento y la revisión de todos los planes hidrológicos. A medida que se fue disponiendo de los informes de los paneles de expertos, estos estudios se fueron perfeccionando y eso dio lugar a sucesivos informes, sucesivas evaluaciones de impacto con el tercer panel, con el quinto panel, que es los resultados a los que me voy a referir ahora. Y más recientemente hemos empezado a trabajar en un aspecto que es mucho más complejo, que es el efecto en los máximos, en las inundaciones, en todo lo que tiene que ver con la gestión del riesgo de inundación, algo que también me voy a referir brevemente después. Durante todo este tiempo, los modelos se han ido perfeccionando, han ido mejorando, se han ido afinando, son mucho más coherentes, son más consistentes. Pero a pesar de ello, persisten incertidumbres importantes en la estimación de las precipitaciones, algo que se puede verificar si se comparan los resultados de los modelos, los resultados obtenidos, los valores simulados, si se comparan con los valores observados en el periodo de control, en el periodo de registrado. También si se compara o si se percibe la gran disparidad de resultados que hay entre unos modelos y otros. Pero, como ahora vamos a ver, en general
apuntan, todas esas proyecciones apuntan en una cierta dirección que en el caso de España supone una reducción paulatina de los recursos a lo largo de este siglo. En esta primera imagen se puede ver esa incertidumbre a la que me refería, podría estar reflejada por esa banda sombreada, esa banda de grises que refleja los valores, en este caso, de una de las variables más importantes en el ciclo hidrológico, porque es la que directamente representa la disponibilidad de recursos hídricos, la escorrentía. Bien, esa franja sombreada viene a reflejar la variación de escorrentía a lo largo del siglo con los distintos, la distinta colección de modelos. Pero si hacemos un promedio de todos ellos, vemos que hay una cierta tendencia, esa línea roja que aparece en la imagen, una tendencia a la baja, mucho más acusada en el escenario más desfavorable, que sería el que corresponde al RCP 8.5, la trayectoria representativa más desfavorable de las que se incluyen en los informes del panel de expertos, mucho más que la del 4.5, que sería un escenario más moderado de emisiones. Esto refleja una evolución hacia una, como digo, hacia una menor disponibilidad de recursos a lo largo de todo el siglo. Si nos centramos en periodos representativos, que es lo habitual, centrarnos en periodos de cierta longitud, periodos de 30 años, podríamos hablar del impacto sucesivo en el periodo del 2010 al 40, del 41 al 70 o del 71 al 100. Y si eso se compara con los datos del periodo de control, podemos tener una idea de cuál es ese impacto, comparando, como digo, los periodos futuros de impacto con el periodo de control de referencia. En esta imagen lo que podemos observar es, para esos dos escenarios de emisión, el escenario 4.5 y el 8.5, en la primera fila sería para el periodo más inmediato, el periodo en el que estamos ahora, el 2010 al 2040, y tenemos seis mapas que corresponderían a los seis modelos de circulación global que eligió la Oficina de Cambio Climático. Y ahí se puede apreciar esa incertidumbre que les decía, que tiene que ver con la disparidad de resultados entre unos modelos y otros. Mientras que hay un modelo, el que está en la fila inferior a la derecha, que tiene unos colores predominantemente verdes, que vienen a reflejar un aumento de los recursos en toda la, prácticamente toda la extensión de la península de España. Los colores ocres o marrones vienen a reflejar una reducción de los recursos. Vemos, por tanto, que hay modelos que apuntan a un incremento de los recursos y otra colección de modelos, que son la mayoría, donde a lo que apuntan es a una reducción apreciable de los recursos. Si elegimos el escenario de emisiones más desfavorable, el 8.5, y nos desplazamos en el tiempo hacia el último periodo de 30 años, de 2070 a 2100, estaríamos en la parte inferior derecha de la figura, vemos cómo acaban predominando esos colores marrones, rojizos, que vienen a indicar una reducción paulatina de los recursos, más acusada cuando el escenario es más desfavorable y más acusada a medida que avanza el siglo. Si entre todos esos modelos hacemos un promedio, tenemos la imagen que se puede ver aquí para los tres periodos de impacto elegidos, y ahí es donde vemos claramente cómo hay un predominio de las reducciones de los recursos, más acusado para el escenario más desfavorable, 8.5, y más acusado también a medida que avanza el siglo XX. En términos cuantitativos, ahí se puede ver la evolución en esas figuras, esa tendencia a la baja, salvo en algún caso singular, que hay primero una subida y luego un descenso. Pero si nos fijamos en los números, en el periodo en el que ahora estamos, de 2010-2040, vemos que hay una gran variabilidad, como les decía antes. Podemos oscilar entre unos incrementos de recursos del 20% hasta unas reducciones del 14%. Si nos desplazamos al periodo más lejano, al 2070-2100, podemos ver, y nos fijamos en el valor promedio, podemos ver que estaríamos hablando de unas reducciones a largo plazo, que estarían oscilando entre un 13% en valor medio para el escenario menos desfavorable y un 24% para el escenario más desfavorable. ¿Cómo han ido evolucionando estos estudios que venimos haciendo desde hace ya cerca de 20 años? Pues digamos que vienen a confirmar lo que ya se apuntaba en los primeros estudios. Los modelos se van afinando, se van perfeccionando, se van ajustando, pero vienen a confirmarse las cifras que ya se anticipaban hace tiempo.
Si nos fijamos en el periodo 2040, el inmediato 2040-2070, los estudios que hicimos hace ya 12 años anticipaban una reducción de recursos entre el 11 y el 16%. Los estudios que se acaban de terminar, se terminaron hace unos años con el quinto panel, estarían también hablando de entre el 11 y el 14%. Y si nos vamos al periodo de final de siglo, pues estaríamos hablando entre un 14 y un 28 o un 13 y un 24%. Es decir, a medida que se van avanzando en estos estudios, vienen a confirmar esas cifras iniciales que apuntan todas en general hacia una reducción importante de recursos. Entre paréntesis pueden ver los aumentos de temperatura, las disminuciones de precipitación en cada uno de esos escenarios. Si nos limitáramos al escenario deseable en todos los informes del panel de 1.5 o 2 como mucho, 2 grados de centígrados de temperatura, pues estaríamos hablando de unas reducciones que podrían oscilar entre el 11 y el 13% de los recursos hídricos. Esto desde el punto de vista de los recursos. También se han analizado en estos informes de todos estos años el efecto en los sucesos extremos. Se refería antes en su intervención el Teodoro Estrella. Esto es mucho más complejo porque se trata de fenómenos extremos, pero también hay ciertas tendencias. En el caso de las sequías, por ejemplo, se apunta a un cambio en el régimen de sequías. Si nos fijamos, por ejemplo, en la imagen central superior, en las cisas estaríamos representando el déficit asociado a una sequía, la falta de agua asociada a una sequía, y en ordenadas el periodo de retorno, el periodo de recurrencia de esa sequía. Pues bien, la figura central superior, como les decía, la línea azul, vendría a reflejar la situación correspondiente al periodo de referencia, periodo del 60 al 2000, y las líneas amarillas y rojas vendrían a reflejar la situación en los periodos de impacto futuro. Ese descenso de estas líneas respecto a la línea azul significa que para un mismo déficit en una sequía el periodo de retorno descendería, es decir, la tendencia sería hacia un aumento de la frecuencia de esas sequías a igualdad del déficit o de falta de agua acumulada durante el periodo de sequía. Sí, termino sequía. En el otro extremo tenemos los caudales máximos, que es el estudio más reciente que hemos hecho. Hemos empezado por analizar el efecto que podría tener el cambio climático en las precipitaciones máximas y lo que se ve es cómo, para un determinado periodo, del 40 al 70, a medida que el periodo de retorno aumenta, el efecto que tiene el cambio climático en las precipitaciones máximas es mayor, tendiendo a intensificar esas precipitaciones, y ese efecto es aún más acusado si nos fijamos en la fila inferior que en los periodos temporales inferiores. La fila superior se refería a precipitaciones máximas diarias y la fila inferior se refiere a precipitaciones máximas horarias. Eso significa el mayor incremento en los periodos temporales más cortos, significa que hay una tendencia a un aumento de la torrencialidad, de manera que se concentran las precipitaciones máximas en periodos de tiempo más reducidos. ¿Cómo incorporamos esto en la planificación hidrológica, que en el fondo es de lo que se trata para identificar esas medidas de adaptación? Pues para facilitar la utilización de estos estudios de impacto en los planes hidrológicos de cuenca, lo que hemos hecho ha sido facilitar a escala estacional, es decir, para periodos de 3 meses, para periodos estacionales, los mapas digitales en los que en cualquier punto de la red fluvial se puede identificar el impacto correspondiente al periodo, al escenario, de lo que se trate, de tal manera que el plan hidrológico de cuenca correspondiente se puede contemplar para el escenario futuro, que en el caso de los planes de cuenca españoles, en los que están ahora mismo en revisión, que corresponden al periodo 2021-2027, el cambio climático se incorpora a largo plazo en el año 2039 como una anticipación de lo que puede plantearse a medio plazo. Monsieur Estrada, hay que ir acabando, por favor. La dormir, ya pues digo. Esta, la última imagen corresponde a ese mismo concepto de evaluar el impacto a lo largo de la red fluvial, pero en este caso sería las precipitaciones máximas acumuladas a lo largo de la red. Por eso termino los dos mensajes claves que quería dar. Es que al menos en el caso de España los estudios de impacto apuntan, como he señalado, hacia una reducción de recursos, un aumento de la frecuencia de las sequías, un aumento de las precipitaciones máximas y un aumento de la torrencialidad. Y los planes hidrológicos de cuenca, revisados periódicamente y con un horizonte temporal suficiente, son un instrumento muy útil para incorporar estos impactos e identificar de forma sistemática
las medidas de adaptación al cambio climático junto con los planes de gestión de riesgo de inundación. Perdona, Marc, me he cedido. Merci beaucoup, Monsieur Estrada. Alors, on a le message, il a parfaitement résumé. Plus de phénomènes extrêmes, plus de sécheresses, plus d'inondations, et chaque fois plus sévères. Madame Souleymane Sheikh Sidia, c'est notre dernière panéliste. Et je vous fais la suivante question. Quels sont les effets les plus immédiats du changement climatique sur les ressources en eau en Mauritanie? Et surtout, quels sont les secteurs qui vont être les plus impactés à court et à moyen terme? Salam alaikum. Bonjour. Merci à tous. Salam alaikum. Bonjour. Merci à tous et à toutes. J'aurais été plus à l'aise si je m'exprimais en arabe, qui est aussi une langue méditerranéenne. Je ferai l'effort en français que je ne maîtrise pas bien, malheureusement. Je demande donc votre compréhension. Le titre de ma présentation, c'est « Améliorer la gestion de l'eau pour l'adaptation au changement climatique en Méditerranée occidentale camerounaise ». Voilà la position de la Mauritanie et quelques informations générales. La Mauritanie est située au nord-ouest de l'Afrique, entre le 15e et le 27e parallèle nord, et entre 5 et 17 degrés de longitude ouest. Elle est limitée à l'ouest par l'océan Atlantique, s'étend sur une côte de 720 km, le pays majoritairement désertique dans les deux tiers nord de sa surface, est faiblement peuplé, environ 4,5 millions d'habitants, mais reste soumis à une progression démographique soutenue, plus de 2,75. La carte montre cette position, mais aussi la position par rapport à la Méditerranée. Le plan de la présentation est divisé en 5 points. Le contexte général du pays, les changements climatiques et pression sur l'environnement, ressources en eau et leur vulnérabilité face au changement climatique, gestion de l'eau et l'adaptation au changement climatique, conclusions et recommandations. Le contexte climatique, la Mauritanie connaît 3 grandes régions climatiques, un climat tropical sec, un climat subdésertique, un climat désertique de type saharien. Ces régions sont traversées par 3 courants principaux qui souffrent tout au long de l'année, l'alizé maritime, l'alizé continental et la mousson estivale. Les masses d'air porteuses de précipitations sont l'alizé maritime et la mousson. Voilà une carte qui montre les masses d'air. Le contexte géographique, hydrogéologique et hydrologique. La géologie compose de quatre ensembles. La dorsale d'Erguébet, le bassin Taoudani, la chaîne des Mauritanides et le bassin côtier. Suite à cette configuration géologique, se présentent les aquifères continus avec des réserves importantes et les aquifères discontinus avec des réserves limitées. La ressource en eau du pays est importante en volume, mais inégalement répartie sur l'ensemble du territoire, dont l'accessibilité est variable. Les eaux de surface sont essentiellement le fleuve Sénégal et ses affluents. Voilà la carte de configuration géologique liée à celle hydrogéologique et hydrologique. Deuxième point, le changement climatique et pression sur l'environnement. L'état actuel, le climat de ces 30 dernières années caractérise par un accroissement de l'aridité climatique, une alternance brusque des années sèches et humides, l'arrivée tardive des précipitations et une hausse spectaculaire des lithométéores liés à la modification du climat de toute l'Afrique de l'Ouest, des événements météorologiques extrêmes avec des tempêtes marines entraînant l'érosion et l'amincissement du cordon littoral de la plaine côtière. Voilà une carte qui présente le déplacement des désuets à cause de la sécheresse. L'évolution climatique. D'ici 20 ans, une plus grande aridité, une augmentation de fréquence des événements climatiques, un réchauffement global de l'atmosphère, une baisse significative des précipitations, une augmentation des flux lithométéoriques à l'interface continent-océan, une augmentation significative de la température de surface de l'eau côtière,
une élévation annuelle de température qui représente 3,6 degrés en un siècle. Les écosystèmes terrestres en Mauritanie, l'écosystème saharien, sahélien, du fleuve et l'écosystème du littoral. Voilà la carte qui présente les écosystèmes terrestres en Mauritanie. Voilà aussi une carte qui présente l'occupation de l'espace par l'agriculture et l'élevage. Terre et sol. En Mauritanie, les terres et les sols cultivables représentent moins de 1%. La dégradation des sols est importante. Le phénomène de salinisation des sols au niveau du delta du fleuve est observé. Le cordon dunaire du littoral connaît une dégradation et une déstabilisation importante. Forêt et végétation. On constate une déforestation de 5 000 hectares par an pour les forêts et de 10 000 hectares par an pour les autres terres boisées. Et le potentiel des pâturages dépendant essentiellement de l'écosystème sahélien et l'écosystème de la zone du fleuve. L'écosystème aride ou 75 biotopes oasiens de palmiers rouges et jaunes sur 165 ont disparu. Le troisième point, ressources en eau et leur vulnérabilité face au changement climatique. Ressources en eau souterraines. Les ressources en eau renouvelables souterraines en Mauritanie sont de 0,3 km3 par an et les principales unités hydrogéologiques sont le bassin côtier, l'arc des Mauritanies, de la dorsale de Guebet, le bassin de Taoudeni. Voilà la carte hydrogéologique de la Mauritanie simplifiée qui montre là où il y a les aquifères continus et les aquifères discontinus. Les ressources en eau de surface, essentiellement, sont le fleuve Sénégal et ses affluents, plus les mares et les quelques lacs. Ça, c'est une carte simplifiée aussi qui montre les ressources en eau de surface. Vulnérabilité des ressources en eau face au changement climatique. La réduction des précipitations associées à la hausse des températures contribue à la fragilisation générale des écosystèmes, la réduction des ressources en eau des sols et des pâturages et la diminution du potentiel agricole. Pour les eaux de surface, les écoulements devraient être moins fréquents, mais les intensités de pluie plus fortes, que ce qui nécessitera de revoir les critères de dimensionnement des retenues d'eau de surface actuellement utilisées. Ainsi, la modification du régime pluviométrique lié au changement climatique encourage de multiplier les ouvrages de retenue des eaux de surface pour mieux sécuriser l'agriculture pluviale. Le quatrième point, la gestion de l'eau et l'adaptation au changement climatique. La gouvernance, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministère chargé de la ressource en eau, il a pour mission l'élaboration des programmes, la gestion domaniale, la maîtrise d'ouvrage, l'organisation du service public, l'organisation de l'usage de l'eau, la protection des ressources, la réglementation de l'eau. Les principaux bailleurs qui ont contribué financièrement au secteur sont la coopération espagnole d'abord, le FADES, la BAD, la BID, etc., Banque mondiale, évidemment, l'Union européenne et la FD. Les problématiques de ressources en eau sont principalement ressources en eau souterraines mal connues, ressources en eau en général peu suivies, ressources en eau de surface peu valorisées. La stratégie du secteur de l'eau. Les grandes stratégies du secteur pour 2030, connaître, suivre et protéger les ressources en eau, améliorer l'accès à l'eau potable pour tous, améliorer l'accès à l'eau pour l'agriculture et l'élevage, améliorer l'accès à l'assainissement, améliorer la gouvernance du secteur. Mobilisation des eaux, c'est globalement en ordre de grandeur, les prélèvements sont estimés pour moitié sur le fleuve Sénégal, un quart pour les eaux de surface et un quart pour les eaux souterraines. C'est-à-dire pour le reste des eaux de surface et un quart pour les... L'accès à l'eau. En 2021, le taux d'accès à l'eau est de 84% à l'échelle du pays et le taux de desserte est de 68% à l'échelle du pays. L'eau pour l'agriculture. L'eau utilisée en général pour l'agriculture, c'est l'eau de fleuve Sénégal.
et aussi l'eau pour le lavage, c'est aussi le fleuve Sénégal. Et souvent, le cheptel partage les points d'eau pastoraux avec les usages humains. La conclusion et les recommandations. Vous allez me permettre d'utiliser ma double casquette de professeur en sciences naturelles pour faire un rappel de l'équilibre naturel. La biosphère est la vie qui se répand sur la planète depuis sa couverture rocheuse et lithosphère jusqu'à son atmosphère, en passant par son hydrosphère. L'hydrosphère est formée de l'eau de surface, l'eau souterraine et même l'eau dans l'air. La biosphère comprend plusieurs écosystèmes qui forment des unités harmonieuses. L'être humain joue un rôle majeur et important dans leur préservation, mais malheureusement, il y a des déséquilibres atropiques du système. L'une des conséquences négatives sur ce système est la perturbation observée du climat et les changements qu'il subit, ce qui se répercute sur les ressources en eau en provoquant leur raréfaction et l'apparition d'inondations dans certains cas. En raison de ce changement climatique et avec le développement de l'activité économique dans le monde, les ressources en eau subissent des dommages importants. En conséquence, il y a lieu de faire les recommandations suivantes. Renforcer le rôle des médias dans la sensibilisation pour la rationalisation des eaux et conservation des ouvrages. Utiliser les eaux de surface renouvelables au lieu de l'exploitation abusive des eaux souterraines. Accroître les efforts de recherche et de connaissance des eaux souterraines. Collecter les eaux pluviales et construire des barrages afin de tirer les meilleures parties de ces eaux. Protéger les populations et produire de l'énergie. Résoudre le problème de la pollution de l'eau causée par les eaux usées, l'industrie et l'agriculture, etc. Recycler les eaux usées, s'orienter vers le dessalement de l'eau de mer, adopter et appliquer une politique de gestion intégrée des ressources en eau et impliquer les secteurs concernés par le changement climatique dans l'élaboration des stratégies de l'eau, échanger les expériences et adopter une politique de gestion concertée des eaux partagées. Et enfin, introduire l'énergie renouvelable et les nouvelles technologies dans la gestion des ressources en eau. Je vous remercie. Merci beaucoup. Directrice adjointe et maîtresse par votre message. Plus de température, moins de précipitations, ça traduit en plus de tempêtes, plus de dégradation. Et elle a lancé un message important pour l'AECID. La coopération espagnole est très importante. Alors, j'espère que vous avez bien pris note. Bon, on finit comme ça les panélistes. On va faire, c'est le tour du public pour voir les réactions. Mais tout d'abord, on a trois premières réactions. C'est celle de Manuel Sapiano, qui est le directeur général de l'Agence de l'énergie et de l'eau du ministère maltais de l'énergie et des entreprises du développement durable. Il a été chargé de la formulation, évaluation, suivi et mise en œuvre des politiques nationales. Alors, Monsieur Sapiano, qu'est-ce que vous en pensez des différents messages qu'on a entendus dans ces panélistes? Ressources non conventionnelles, plus de température, plus de sécheresse, plus de tempêtes, inondations. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les intervenants principaux, je vous demande de 5 minutes, s'il vous plaît. Okay, so thank you, Chair, and a good day to all. What came out from the presentations is basically that if we look at climate change, we're looking at two effects. It's the big impact effect, so the big single effects, flooding, and which capture people's imagination. But also then we have the slow and subtle changes, temperature change, for example, the slight increase in temperature every year over a long period of time, which from a technical perspective is more worrying because it has a more profound effect on the water environment. If we look at increased temperature, we look at increased losses by evapotranspiration, we look at increased needs for irrigation, and therefore a compound effect which will make things worse. And therefore, I would say this is just an example
of what climate change, what lies ahead with climate change, and what has come out from the interventions. We're talking a lot on priority measures and how to address. What I found possibly missing is the social aspect. So basically the understanding of stakeholder perceptions. We're talking most of the time about measures which will need to be implemented by people. And it is one question speaking about climate change. It is another question speaking to people and telling them that they have to change how they live, their habits, their lifestyle. And therefore, on one way, the aspect of informing people of what they can do, not just what will happen, but also that making people understand that the little contribution counts is important. On the other hand, there's the investment in technology, because if we look at what has happened throughout the years, particularly with water, technology has gone and has moved towards more efficient operations. If we look at washing machines today, flushings today, faucets today, they are more water efficient than 20 years ago. And that has helped us try to move the, let's say, address the challenges of climate change without changing people's life. And we should aim to have an outlook, have a projection of how to address the impact of climate change, adapt to climate change, possibly without affecting lifestyles of people, but also possibly enabling people to improve their lifestyle. And that comes also with technology. As regards the integration of policies, there was a lot mentioned in the presentations and the tools which there are. We can look at also at the WEF and Nexus. We can look at the Sustainable Development Goals, which were also mentioned. And therefore, these linkages between these aspects are very important. What I would like to add is possibly highlight on a larger Mediterranean scale the UFM Water Agenda, which adopts these nexuses, which adopts this horizontal effect. And therefore, once more, the 5+5 process can also align and seek alignment with what's happening on the broader region. With regards to reforms, we've heard about legislations, we've heard about different legislations, but let's keep in mind, first of all, one of the main founding aspects of each legislation, a legislation cannot just remain on the paper, it needs to be implemented. And the important thing is that we have clear ideas of roles and responsibilities of who should implement which and what. It's very much easy to cite an example. So water use in agriculture, is it agricultural policy or is it water policy? Who should implement, the water side or the agricultural side? What are the roles? Most of the time it's one pointing to the other pointing to the first one. So, and nothing happens. So it's very important that when we do policies, we also identify who should do them and have a clear roles, identification of roles, a clear governance structure. The word governance was mentioned also in a couple of the presentations on policies, who is at policy level, who is at regulatory level, who is at implementation level. So what is the role of the policymaker? What is the role of the regulator? Who is the regulator for what? And therefore, in this way, we can have not just good legislation, but good implementable legislation, which can leave a tangible impact on our citizens, which is, after all, what we are discussing and what we want. And I would stop with that for now. Thank you. Maintenant, la seconde réaction, on va écouter Madame Desirée Quagliarotti, pardon, elle est chercheuse à l'Institut d'études sur la Méditerranée du Conseil national italien de la recherche. Elle est aussi professeure associée à l'Université de Naples. En plus, elle est membre du Conseil consultatif de la Fondation Analide et titulaire d'une maîtrise en économie et politique agricole à l'Université de Naples et en plus un doctorat en économie de ressources alimentaires et environnementales. Alors, je vous demande, puisque vous êtes expertrice en matière alimentaire et environnementale, on a parlé de surveillance, augmenter la surveillance, augmenter la sensibilisation, la gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Cagliarotti?
Okay, thank you. I thank the IEMED for inviting me and the kind speakers for their very interesting and stimulating presentation. What I will try to do in this my short speech is to identify some key messages in the light of the presentation that that we have just listened to. The first thing that has been emphasized is that the issue of climate change adaptation for water management is of particular relevance in the Western Mediterranean, because the Western Mediterranean, like the whole Mediterranean region, is a hotspot for both climate change and water scarcity. And the water scarcity amplifies the vulnerability to the impact of climate change, with significant repercussions in socio-economic and environmental terms, but also in terms of security and stability. Talking about adaptation is very important, because I think that the adaptation to date represents a sort of Cinderella within the strategies in the fight against climate change. And even at the European level, as the Green Deal itself shows, there is too much focus on mitigation, in particular on the energy transition, to the detriment of equally important adaptation measures. This is not to say that mitigation strategies are not fundamental in climate action, or that they are not relevant in also increasing the effectiveness of adaptation measures, but to remember us that the energy transition, considered as the cornerstone of climate change mitigation, is not so immediate and simple as one might think, and that energy transition itself implies environmental, socio-economic, and geopolitical problems that must be considered. And also to emphasize, to remember that the climate system is characterized by a strong inertia, and that even if we manage to reach the zero emission target today, the impact of climate change will be felt for many years. And finally, to highlight that mitigation strategies are not always water smart and can trigger positive feedback that can amplify water scarcity. Therefore, mitigation is a necessary but not sufficient condition to fight against climate change, and it needs to be associated with the effective adaptation strategies. And for adaptation options for the water sector, also in this case, there is not a single strategy a silver bullet. This is because the effectiveness of each adaptation strategy is context specific, as it is closely related to local condition. And also adaptation action that can be implemented to improve water resilience to climate change are not always climate smart, as the production of non-conventional water resources teaches us. Yes, as many speakers have pointed out today, they need to combine different types of water adaptation strategies, such as water supply diversification and water use efficiency. The development of both highly technological and nature-based solutions, as well as to implement climate, water, energy, and food nexus approach to mitigate trade-off and improve synergies between actions and sectors. And as a cross-cutting solution, they need to promote cooperation between Western Mediterranean countries to share solutions, and they need to improve capacity building for new legal and financial framework, innovative bottom-up water governance models,
and also integrated knowledge systems. In conclusion, I think that there is a fil rouge, a keyword that links all the presentation as well as the recommendation proposed by our speakers. And that keyword is diversity. The word diversity, in my opinion, is crucial when it comes to climate change resilience. Because as biodiversity is the key to increasing natural system resilience in the event of shocks, cultural diversity in its broadest meaning is the key to increasing human system adaptive capacity in the event of climate change. To give an effective response to the challenge of adapting water management to climate change, it is necessary to valorize diversity in all its dimensions. Because ignore diversity makes alternatives disappear, and the lack of alternatives undermines our ability to respond to crisis, putting at risk human security, especially in a scenario of climate change. Thank you for your attention. Grazie mille, merci beaucoup. Prego. Finalement, on a Malak Altaeb, elle est de la Libye et habite à Paris, consultante indépendante, analyste et chercheur basée à Paris. Elle est chercheuse non résidente du programme Eau et Climat du Middle East Institute. Et elle est diplômée du programme Young Policy Leaders de la North African Policy Initiative. Elle aborde l'intersection des politiques publiques et des questions environnementales, spécifiquement sur l'eau et sur l'agriculture à la Libye. En plus, elle est titulaire d'une maîtrise de politique environnementale de Sciences Po à Paris et une licence génie chimique à l'Université de Tripoli. Et comme étudiante ou experte de Sciences Po, je vous demande, avec les paroles de Madame Afaya Lail, il fallait être audace et courageux pour prendre en charge le changement climatique par la part des décideurs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Hello, everyone. Thank you so much for having me in the panel today. And it was my pleasure to hear all the inputs from the speakers and also the commentators. In terms of courageousness, of course, I think it's about time that that we speak out loud about the issues of water, and not only in terms of facts. I mean, now we feel the issues of climate change or the impact of climate change directly on the daily lives. And speaking from the Libyan experience, Libya has been going through political and economic instability. And I think that the focus on the political and economic instability pushed away the focus on climate change impact, especially when we're talking about food and water security. So being courageous to speak out loud and to push for regulations and to push even for a local, and not only a local, but even a regional discussion to include different actors is essential. I mean, today we heard speakers talking about the issues climate change is imposing on the Mediterranean region. I think we need to think about adaptation, but also think about the security measure of water and how it could be a standing point between making a change or even making improvement within the sector. Speaking about the Libyan experience, Libya has been facing a water scarcity issue, which has been present after the revolution in 2011. And this has changed the reality of the water institution and how water is managed and what kind of approaches water could be addressed. So being courageous is essential, but the question here is not about being courageous, but
how to make the action possible and how to implement or even demand the solutions that can actually make a change within different communities. Accessibility of water in Libya is still a question. Libya has no rivers. It depends on groundwater aquifers. Many communities don't have a direct access to water. Now people are feeling the rising impacts of temperature increase, of the low rainfall over every year. So we have a direct threat on agriculture, and we have a direct threat on communities around the country in general. So there should be an open discussion between societies and between decision makers, and to address those who are firstly affected by climate change impacts, especially when it comes to water accessibility and availability. So being courageous is important, but the question here, is it enough to make a change directly linked to the impacts of climate change on water resources in the Mediterranean? Thank you very much. Bon, maintenant, on a eu différents messages des personnes qui ont fait des commentaires. Monsieur Sapiano, Madame Cagliarotti et Madame Altaeb. On a parlé d'accès à l'eau, à la Libye, à la Mauritanie, participation publique, plus de smart technologies. Et qu'est-ce que vous en pensez dans la table? Et on me dit qu'on a un peu de délai avec le temps. Alors, simplement, je vous demande si vous voulez répondre aux commentaires, quelqu'un. S'il vous plaît, permettez-moi, je ne vais pas être long. D'abord, j'ai une petite remarque à ma collègue de la Mauritanie qui a présenté la carte du Maroc décapité en mettant un État qui n'est pas ni reconnu par l'Union de la Méditerranée, ni reconnu par les Nations Unies. Je pense que c'est une action inamicale vis-à-vis de la délégation marocaine. Je ferme la parenthèse. Pour autre chose, j'étais interpellée par la jeune fille sur être courageux n'est pas suffisant. Effectivement, être courageux ne c'est pas suffisant, mais le changement nécessite le courage pour dire qu'on doit changer le paradigme, qu'on doit revisiter ou repenser la manière dont se développe. Et être courageux, et le changement nécessite également de reconnaître qu'on n'est pas sur la bonne voie pour prendre les décisions et mettre en œuvre ces décisions. Je pense être courageux seul n'est pas suffisant, mais d'opérer le changement et des choix et de transformation sociétale et comportementale nécessite également le courage. Donc, elles sont liées l'un vers l'autre. Merci. Shukran. Oui, bien sûr. Vous m'excusez, ma collègue. Je prends la carte de Google, je le trouve comme ça. Donc, je n'ai pas le temps pour faire... Il faut penser qu'on aura des amis marocains, il ne faut pas les vexer. Je vous demandais de m'envoyer la carte juste. On prend les excuses et on continue en parlant de l'eau. Je ne sais pas si monsieur, par exemple, Dodo, qui est à visioconférence, monsieur Estrada, madame Suleiman, vous voulez répondre aux commentaristes. Je crois que les recommandations que j'ai données peuvent répondre à toutes ces questions-là. Donc, c'est clair de faire intervenir beaucoup d'éléments qui ne sont pas pris en considération dans notre pays. Donc, mais ça va prendre en considération dans les stratégies prochaines. Shukram. Monsieur Dodo, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Non, on n'entend pas. Il fait des signes avec les mains. Oui. Ah, merci. Monsieur, est-ce que vous pouvez essayer? Merci beaucoup, j'ai la parole. Moi, je voulais juste vraiment en deux mots parler. Vous m'entendez? Parler de la question de la coopération entre les deux rives, c'est vrai, il y a 5+5. J'aimerais que cette coopération soit beaucoup plus opérationnelle.
quelqu'un l'a introduite. Pourquoi je l'ai dit, et là je soulève le second point, si la Méditerranée au nord, occidentale donc au nord, côté le littoral donc européen par rapport donc à cette question du changement climatique, il y a pas mal d'indicateurs qui concourent avec toutes les prévisions. Mais en revanche, quand vous prenez les pays du Maghreb, vous avez parlé du changement climatique, parlé de la croissance de la température, etc. Ça ne concerne que le littoral. Or, le littoral, c'est une petite portion du territoire de ces pays-là. Pour l'essentiel, j'ai dit, il y a le Sahara, 10 millions de mètres carrés, ils ont des ressources peu renouvelables. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, à Ouargla, quelqu'un qui est à Hassine Saoud, quelqu'un qui est au sud de Tataouine, tout ça là, l'année, il fait 4-5 degrés. Le jour, il fait 45-50. Lui parler d'une augmentation de 1 degré et demi, 2 degrés, ça n'a pas de sens. Donc, les aspects écosystémiques associés, pour lesquels, effectivement, il peut parler du changement climatique. Il peut parler de son le changement de son paradigme. Je voulais aussi faire comprendre que cette question-là, quoi, du changement climatique et comment nous allons essayer de l'y adapter, c'est de mettre en exergue ce qui se dit les eaux non conventionnelles. Est-ce que les eaux non conventionnelles sont là pour soulager les eaux conventionnelles? L'Espagne, c'est vrai, c'est la première. Mais est-ce que si j'utilise le dessalement, la réuse, les eaux saumâtres, c'est pour remplacer, les soulager les eaux conventionnelles? Merci beaucoup. Merci, monsieur Dodo. Et finalement, señor Estrada, si quieres un minutito. Sí, nada, simplemente agradecer los comentarios que se han recibido y sí quería destacar las similitudes que hay en los distintos países, visto que el problema es común y por lo tanto las soluciones en cierta medida se pueden compartir. En ese sentido, pues seminarios como este que permiten poner en común las medidas que se van adoptando en los distintos países creo que son de gran utilidad, nada más. Shukram, merci pour tout le monde. Je crois qu'on a un message clair pour la session de demain. Il faut garantir l'accès à l'eau, il faut améliorer la participation publique et politique, de nouvelles technologies et surtout renforcer la coopération autour du 5+5. Merci à tous. Muchas gracias a todos. Yo creo que tenemos un poquito de café y algo más preparado por esta parte de allá, hacia Oriente, siempre.